Thank you. Des maths à des gamer maths mes chers auditeurs, je suis le Marweiler et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle causerie afin de désamorcer un sujet particulièrement épineux, à savoir l'histoire de l'EMSAO pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons nous intéresser en particulier à deux accusations récurrentes, deux procès qui sont faits de manière assez régulière, tant au parti national breton historique qu'à l'EMSAO à savoir d'une part euh, le PNB slash MSAO était des nazis et deux c'était des collabos. Donc aujourd'hui je vais étudier avec vous ces deux assertions et nous allons les démonter. Cette causerie s'appuie fortement sur deux lectures que j'ai déjà faites sur cette chaîne, à savoir l'aperçu doctrinal du PNB et les origines de l'assassinat de l'abbé Pérotte écrit par Anne le Diascorne. Je vous recommande fortement d'avoir écouté ces deux lectures ou d'avoir lu les deux textes avant de vous attaquer à cette causerie. En premier lieu, c'est très important de revenir sur les termes et de comprendre ce que nous entendons par collaborationnisme. En général, les collabos, donc ceux qui se rendent coupables de collaborationnisme, sont des ressortissants d'un pays donné qui s'adonnent à une collusion, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière ou militante, avec un pays étranger au pays donné contre lequel leur pays est en guerre ou qui est sous occupation. Donc là, le mot-clé important, c'est leur pays. Ensuite, nous allons rappeler un détail important qui est que ce qu'on appelle le déshonneur par association est une technique de manipulation. Donc, qu'est-ce que le déshonneur par association C'est le fait de dire si vous vous associez à un groupe idéologique donné, c'est que vous en adoptez ou que vous en soutenez l'idéologie avec laquelle vous êtes pleinement en accord. Et donc, l'infamie de ce groupe auquel vous vous êtes allié, rejaillit directement sur vous, même niveau et égale valeur, même importance. Ainsi, selon la grille de lecture du déshonneur par association, eh bien, la Finlande, la Roumanie, la Hongrie et même les communistes eux-mêmes auraient été Natsok simplement parce qu'ils se sont alliés ou qu'ils ont collaboré à un moment donné, pendant une certaine période avec un pays qui était gouverné par des Natsok, à savoir l'Allemagne. Or, on constate clairement que ce n'est pas le cas. Hein. Moi, à l'heure actuelle, je n'ai jamais entendu personne dire que la Finlande des années 40, c'était tous des nazis. Et donc, en réalité, euh, l'accusation de nazisme... Sur les membres de l'EMSAO et sur le PNB des années 40 ne repose sur absolument rien d'autre que ce déshonneur par association qui n'a, comme on vient de le voir, aucune valeur. Puisque si vous voulez vous en convaincre, il vous suffit de retourner écouter l'aperçu doctrinal que nous avons lu sur cette chaîne. Il n'y a dans cet aperçu absolument rien de fasciste au sens. Politique du terme de fasciste ou de nazi d'ailleurs puisque il n'y a pas de notion de supériorité raciale, il n'y a pas de question de centralisme ou d'autoritarisme étatique, de contrôle de la pensée, de système ultra propagandiste ou quoi que ce soit. Bien au contraire d'ailleurs l'aperçu doctrinal du PNB indique que nous luttons contre ces tendances qui viennent généralement de Paris, de la France, de l'état jacobin. Encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller écouter cette lecture. Voilà, parce que, au final, ce qui ressort donc, de la doctrine du PNB, c'est que cette doctrine est nationaliste, elle est indépendantiste, elle se veut rassembleuse des diverses sensibilités politiques au sein d'un État breton, et en fait ne fait pas plus que ça euh, de projection étatique au-delà de ça, quoi. D'ailleurs, le PNB le reconnaît lui-même dans ce texte, c'est euh, tout peut arriver. Donc, puisque l'EMSAO et le PNB du milieu du XXe siècle n'avaient rien de nazi et que le déshonneur par association est une grossière méthode de manipulation dialectique, il nous reste à clarifier l'aspect dit collaborationniste de l'EMSAO. Alors, il est important de préciser que pour les rien, la France n'est pas leur pays. Pour les Bretons normaux, les Bretons qui ne se sont pas fait franciser volontairement ou de force, notre pays, ce n'est pas la France, c'est la Bretagne. Donc, en fait, en travaillant avec les Allemands, les MSAVériennes ne trahissaient pas la France, puisqu'ils ne lui devaient absolument aucune allégeance à la base. C'est important de le rappeler. Donc en fait, on n'a pas cette définition du collaborationnisme dans le sens où c'était en fait la loyauté à leur pays, à leur véritable pays, qui les poussait à agir comme ils l'ont fait. Ce qui n'a rien à voir, encore une fois, avec du collaborationnisme. Au contraire, même, il était dans l'intérêt de la Bretagne, que ce soit du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue culturel, de s'allier à l'Allemagne contre l'occupant français. Et donc en réalité... Bien loin d'être du collaborationnisme, les actions des M savériennes étaient, au contraire, de véritables actes de résistance contre l'occupant français. En effet, dans le cadre des actes de résistance, on peut solliciter des puissances étrangères contre l'occupant. Ça fait partie, si vous me pardonnerez l'abus, des règles du jeu. Alors du coup, au final, en quoi est-ce que ça s'est traduit dans l'histoire et dans la vie réelle bah, Ce qui s'est passé... Pour faire court, c'est qu'il y a eu effectivement des accords secrets entre l'EMSAO, le PNB et les forces allemandes, des accords dans lesquels était potentiellement prévue une libération de la Bretagne dans le cadre du démembrement de la France par les forces d'occupation allemandes. En fait, cependant, ce projet n'a jamais vu le jour à cause de la débandade complète des armées françaises contre la Blitzkrieg, et Adolphe, qui espérait un espèce de soutien mystérieux des Français pour son invasion de l'Angleterre, n'a pas mené à bien son projet de démantèlement de l'État français avant 1942. À partir du moment où ces accords ont été trahis par la rencontre de Montoire, eh bien, les m ont cessé de soutenir l'Allemagne dans son occupation de la France ou du territoire breton, en tout cas de le soutenir directement. Bien au contraire, au cours de cette période, l'EMSAO s'est tourné vers la protection du peuple breton dans cette période trouble, particulièrement contre les prédations de groupes SS venus d'Asie, où les militants de l'EMSAO ont empêché à plusieurs reprises des drames humains assez graves, hein, on parle de viols et de meurtres. Mais aussi, comme l'évoquait Raymond Meskoff, dans ses mémoires de l'abbé Perrot, il y a eu, grâce à des membres de l'EMSAO et du parti, et notamment l'abbé Perrot lui-même, des retours des Bretons qui ont été rapatriés des camps de travail du STO en Allemagne. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, on peut dire que l'EMSAO a cessé de s'aligner sur les intérêts allemands, même si c'est un peu un abus de le dire. Puisque l'Emsao ne s'est jamais aligné sur les intérêts allemands, il s'est allié à eux dans la mesure où c'était dans l'intérêt du peuple breton, pour se concentrer sur la défense et la protection du peuple breton dans une période qui était particulièrement difficile. Donc là encore, vous pouvez vous référer aux origines de l'assassinat de l'abbé Perrot par Anne Le Diascorne, qui évoque justement cette situation où à plusieurs reprises, le retour de personnes a été obtenu par des membres de l'Emsao. Les choses ont à nouveau changé à la fin de l'année 1943, très exactement le 13 décembre 1943, suite à l'assassinat de l'abbé Yann Perrot par des communistes. En fait, cela a entraîné une réaction violente, brutale, même pourrait-on dire, de la part des emsavériennes, savériennes, dont l'abbé était une figure centrale. Et. Cela a conduit une minorité de ses membres, en particulier les groupes menés par Célestin L'aîné, à se joindre au groupe SS et à s'encapsuler dedans, si j'ose dire, pour chasser et traquer les communistes en Europe de l'Ouest. Ce qui est normal. Cependant, il est toujours utile de rappeler que ces actions, donc les actions du groupe de Célestin L'aîné le Lubraison, n'ont eu lieu qu'en réaction à l'ouverture des hostilités réalisées par les communistes depuis le début de l'année 1943 avec l'assassinat de Jan Brickler. et accessoirement il est également utile de se rappeler que cette décision prise par Célestin l'aîné s'est faite contre l'avis des cadres dirigeants du PNB et surtout sans leur accord. Il s'agissait donc basiquement d'un groupe extrémisé qui a décidé de se la jouer solo. Et bien entendu, l'occupant français d'une part et les communistes d'autre part ont profité de cela pour rejeter la faute sur le PNB et les M. dans leur ensemble. En fait, le mythe du nationaliste breton nazi et collabo a été fabriqué peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, d'une part par l'occupant français lui-même qui pouvaient trouver ainsi des coupables commodes et des justifications commodes aussi pour tenter d'éradiquer les têtes du mouvement breton dans leur ensemble, qui ont dû toutes fuir en Irlande, et d'autre part par les communistes, qui en ont profité et qui s'en sont éhontément servis, pour faire oublier la honteuse période de leur collaborationnisme, qui pour le coup était un collaborationnisme bien réel avec l'Allemagne Natsok, de 1939 à 1941 jusqu'à ce que démarre l'opération Barbarossa. Donc encore une fois, pour cette partie de l'histoire, je vous invite à vous référer aux origines de l'assassinat de l'abbé Perrot, mais on peut faire un court rappel comme suit. En effet, de 1939 à 1941, pendant 22 mois, les communistes et en particulier le Parti communiste français a ouvertement collaboré avec l'Allemagne nazoc au cours de ces 22 mois et particulièrement pendant la campagne de France. Ils se sont rendus coupables de multiples actes de sabotage et de démoralisation qui ont conduit d'ailleurs certains de leurs auteurs à se faire fusiller et le gouvernement de Laval a Interdire le PCF, que subitement lorsque l'URSS a été envahi dans l'opération Barbarossa, ils se sont tous découverts une âme de résistant et se sont mis à promouvoir un nationalisme français complètement délirant, qu'ils ont commis sur tout le territoire de la République française près de 1200 assassinats politiques à partir de 1943 en vue de prendre le pouvoir par un coup d'État. Et tout cela, ce sont des choses pour lesquelles, aux dernières nouvelles, les communistes n'ont jamais fait aucun devoir de mémoire. En fait, la comparaison est particulièrement accablante pour les communistes. Ils ont collaboré avec les Natsok pendant plus longtemps que ce que l'EMSAO ne s'est allié aux Allemands. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de victimes que celles qui n'auraient pu être imputés même dans leurs rêves les plus fous par l'occupant français aux m saverions Et enfin, toutes ces indignités et ces atrocités que l'on peut attribuer au Parti communiste ont été commises avec le plein accord de la direction du parti, contrairement au groupe M-Saverien de Célestin laîné qui a agi contre l'avis des dirigeants du PNB. Je le redis, on attend toujours le devoir de mémoire des communistes, et précisément s'ils ont fortement contribué à inventer cette histoire de l'EMSAO, du PNB collaborationniste et Natsok, c'est précisément pour faire oublier leurs propres innombrables trahisons. Et là, on peut bien parler de trahison, puisque eux, contrairement à nous, n'ont pas l'excuse de servir leur pays qui est sous occupation française. Bien au contraire, ils ont passé toute la guerre à servir. Des puissances qui leur étaient fondamentalement étrangères à obéir aux ordres de Moscou et à travailler avec l'Allemagne. C'est tout. Et alors, du coup, aujourd'hui, qui sont les collabos C'est une bonne question, parce qu'il y en a. Si vous vous rappelez la définition que j'ai donnée du terme collabo et collaborationnisme, il s'agit de trahir son pays pour travailler avec une puissance étrangère contre laquelle on est en guerre ou occupante. Ainsi, la Bretagne moderne a son lot de collabos, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent en plus ou moins étroite collaboration avec l'occupant français en vue de leur avancement personnel tout en contribuant à piétiner la Bretagne et ses chances de libération. Ainsi, pour déterminer cela, pour mener ce procès en collaborationnisme si j'ose dire on peut s'intéresser d'abord et primairement aux mouvances politiques qui animent la vie politique en bretagne. alors il ne faut pas oublier que beaucoup de partis donc que ce soit le rn la france insoumise l'action française le parti socialiste ou communiste les écolos etc. tout ça ce sont des partis français donc des partis d'occupation et non pas des partis de collaboration. Même s'il y a parmi eux un certain nombre de bretons, ceux-ci, du moins j'ai envie de le croire, ne sont pas tous, pas souvent, voire même assez rarement, au courant de leur identité réelle, de la nation réelle à laquelle ils appartiennent. De même, pour les groupes comme le RN, Reconquête, l'Action française, etc., tous ces groupes-là, qui soient d'ailleurs de droite française comme de gauche française, en fait, appartenir à ces groupes ne relève pas de la collaboration, puisque encore une fois, ce ne sont pas des groupes bretons, ce ne sont pas des groupes collaborationnistes, mais à de la trahison, puisque ce sont des groupes français. En revanche, pour des groupes politiques comme l'UDB, pour des personnalités politiques comme Maël de Calan ou Loïc Chenet-Girard, pour ne citer que les plus connus d'entre eux, il s'agit bel et bien, dans ces cas-là, de collaborationnisme. Je place le parti breton dans une zone grise parce que honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi faire d'eux. Mais pour les autres personnes citées, il s'agit vraiment, clairement, de collaborationnisme dans le texte. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, en ressassant continuellement une courte période de l'histoire, parce qu'au final, moins de dix ans, c'est peu, mais en la ressassant continuellement, ressortant tout le temps les mêmes poncifs, en pointant toujours les doigts dans la même direction, et en inventant toujours les mêmes histoires, eh bien, on parvient à faire oublier les trahisons, et j'oserais même dire les crimes moraux, dont se rendent coupables de nombreuses personnes en Bretagne à l'heure actuelle, de manière d'autant plus grave pour ceux qui sont conscients des choses ou qui ont une importance politique en Bretagne. Et toutes ces personnes-là, euh, à l'exception des Français parachutés, donc ceux qui sont bretons et qui véritablement sont tournés vers la Bretagne, ben je ne peux que les inciter à mettre fin à ce collaborationnisme et à commencer à véritablement servir leur pays, qui est la Bretagne, et non plus des intérêts étrangers, non plus les intérêts de la France, de Paris, à laquelle ils sont encore à l'heure actuelle inféodés. Il faut donc arrêter de faire des vagues appels à l'autonomie qui ne seront suivis d'aucune action concrète. Il faut arrêter de dire l'autonomie c'est un gros mot, selon les uns et les autres. Il faut dire, il n'y a qu'une seule voie pour notre pays, c'est l'indépendance et rien d'autre. Parce que ce que nous voulons bâtir, c'est une Bretagne forte, fière et libre, et c'est la seule condition à laquelle nous pourrons la bâtir, et il faudra, d'une manière ou d'une autre, que ce collaborationnisme avec l'occupant français prenne fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était une causerie du Marweiler. Pour le Parti National Breton. Comme toujours, likez, abonnez-vous, euh, activez la cloche, tout ça, tout ça. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, à visiter le site internet du parti. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle causerie. Bévet Braise, Braise à tao.